Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi de Pâques, 11 avril 2020, 17h13 heure du Québec. J'espère que vous êtes bien, que vous allez bien et que vous allez vous arranger pour rester bien et en harmonie avec vous-même. Ça veut dire garder votre énergie de la journée, parce qu'à chaque jour, on a une énergie qui nous est désignée. Gardez-la pour vous, pour l'investir dans des choses qui vont vous faire du bien et non pas des choses qui vont vous torturer, vous enrager, vous frustrer, vous fâcher. Et là, ici, je fais référence au monde extérieur, les médias d'information alternative et tous ceux qui viennent et qui sont là pour vous perturber. Puis vous, vous investissez votre argent là-dedans, dans le sens où vous investissez votre énergie. Gardez-la pour vous. Investissez-la dans quelque chose qui va vous rapporter. Si quelqu'un vous disait « Hey, Ginette, donne-moi 50$ ou 100$ ou même 200$, j'ai une bonne idée d'investissement, donne-moi ça. » Ben, même si c'est un petit montant d'argent, tu voudrais t'informer pour savoir si vraiment cet argent-là va être investi et si ça va te rapporter quelque chose. Jamais tu donnerais ton argent à l'aveuglette. Ton énergie de ta journée, c'est toi, c'est ta personne. Tu es là pour une certaine partie, un certain temps alloué sur Terre. Cette énergie-là t'appartient, il faut que tu l'utilises pour toi. Tu ne vas pas commencer à le donner à n'importe qui ne sont pas là pour te rapporter un bénéfice. Quand tu vas voir les médias, ça ne te rapporte rien sauf de la peur, de la haine, de la crainte, de l'anxiété, de la rage, de la frustration. Même chose avec les médias sociaux qui sont que du vent, de la bullshit et des innocenteries. Prends ton temps et investis-le pour toi, les tiens, ceux qui te tiennent à cœur, pour toi, pour ton avancement. Il faut que ton énergie d'aujourd'hui qui s'en va, quand tu arrives au sommet, il n'y en a plus. Il faut que cette énergie-là, tu l'investis dans quelque chose qui te ramène, qui te rapporte un bénéfice. Maintenant, on est samedi de Pâques. Aux États-Unis, je ne sais pas en Europe, je n'ai pas regardé les modèles climatiques, mais ici, au Québec aussi, on est dans un temps vraiment maussade, froid. Il y a de la neige, de la pluie, de la neige, de la pluie, de la neige, de la pluie, de la grêle. Il fait froid. Aux États-Unis, grande partie des États-Unis va être sous des tornades, des ouragans, du froid, de la neige. Apparemment, pour beaucoup, beaucoup d'Américains, ça sera le Pâques ou le samedi de Pâques ou la journée de Pâques la plus froide en 100 ans. OK? Ici, on a le même modèle. Chez vous, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et ça me ramène à vous parler des changements climatiques vraiment rapidement. Vraiment, il faudrait vivre sur une autre planète pour ne pas reconnaître qu'il y a des changements climatiques extrêmes, majeurs, qui se produisent en ce moment, mais que c'est naturel et qu'on ne peut rien y faire. Et même si on essaye de vous convaincre qu'on peut y faire quelque chose, on ne peut rien y faire. Les scientifiques, les vrais, savent exactement ce qui se passe. Et savent exactement que c'est cyclique et savent exactement vers quoi on s'en va. Les scientifiques, les vrais, sont allés dans l'Arctique, dans l'Antarctique. Cette couche de glace qui est là depuis des millions d'années qui s'accumule. Chaque couche de glace, ça représente une année dans laquelle est enfermée la quantité d'oxygène, la quantité de CO2, la quantité de poussière cosmique, la quantité de ces rayons solaires, tout est enregistré là-dedans. Le pollen qui vient d'Europe par les vents, tout ce que tu peux imaginer, c'est tout enregistré dans ces sédiments-là, dans ce livre-là. Et les vrais scientifiques, ils savent ce qui s'en vient. Ils savent ce qui s'est produit avant, puis ils savent ce qui s'en vient. Ceux que tu vois qui te publient des commentaires, des opinions dans nos journaux, dans des magazines, à la BBC. Ça, c'est pas des scientifiques, c'est des marionnettes scientifiques qu'on utilise, qu'on finance pour venir vous convaincre d'un programme politique qu'on a pour nous. Les changements climatiques qui sont là et sont graves et ce qui se produit à tous les jours, c'est des conséquences énormes sur tout le monde. Mais on peut rien y faire. Les scientifiques, les vrais, ceux qui sont publiés dans les magazines scientifiques et qui sont lus et qui sont reconnus par leurs pairs, pas ceux qui viennent vous publier une opinion qui a été financée par un gouvernement qui voulait vous convaincre d'une idéologie. Les vrais scientifiques, eux autres, ils savent ce qui se passe. Ils savent qu'il y a eu un petit réchauffement de la température, mais ce n'est pas le plus grand réchauffement de l'histoire comme
nos médias, via des pseudo-scientifiques, veulent nous faire croire. Puis ils savent que la majorité de la population ne va pas aller faire de recherche. Et moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet-là. Il y a déjà quelques années, ceux qui me suivent, hein, ça avait l'air bizarre. Au début, je parlais du minimum solaire, le grand minimum solaire. Les gens me disaient « Tu sors d'où? » Parce que dans la francophonie de notre monde ordinaire, nos petites chaînes, sans prétention que nous sommes, tu n'entendais pas parler de ça, minimum solaire, grand minimum solaire. Moi, j'ai découvert ça par hasard, puis je me suis dit « Wow, c'est venu me chercher. » Parce que je voyais la logique et l'intelligence là-dedans et la science là-dedans. Moi, je ne suis pas un scientifique, loin de là. Puis au début, ça a été difficile pour moi de tout comprendre ça parce que je n'ai pas un esprit scientifique. Je ne l'ai jamais eu, puis je ne l'aurai jamais. Mais à force de faire des recherches, parler du sujet, maintenant, je réussis à maîtriser le sujet, mais de façon vraiment pas scientifique, mais plus globale. Puis je peux vous le partager puis l'expliquer. Mais j'étais un des premiers à parler de ça, puis les gens avaient une drôle de réaction. Alors, comprenait pas trop, parce qu'on a... C'est quelque chose qu'on devait apprendre à l'école, mais on ne l'apprend pas à l'école. Le minimum solaire, le maximum solaire, le grand minimum solaire, que le soleil, c'est lui qui règle toute la planète, puis c'est lui qui règle le climat. On n'apprend pas ça à l'école, étonnamment. Donc, les scientifiques le savent, ce qui se passe. Ils le savent très bien. Ils connaissent tous les modèles. Ils savent que, oui, il y a eu une petite augmentation, mais c'est toujours très, très limité dans le temps quand tu regardes toute la géologie de la glace, puis de cette histoire, ce livre géologique de la Terre et climatique de la Terre, l'augmentation de température, quand elle vient, c'est toujours vraiment pas très long. Il y a des périodes de glaciation qui sont vraiment plus longues. Mais la période de chaleur, c'est toujours limité dans le temps. Puis oui, il y a eu une petite période d'augmentation de chaleur. Il faudrait vraiment, encore là, être complètement menteur de dire le contraire. Mais c'est pas comme on vous le dit en ce moment. C'est la plus grande augmentation de température qu'on a jamais vue. Ça, c'est un mensonge. Puis les scientifiques le savent. Puis les données sont là. Il y a 3 ou 4 autres périodes dans l'histoire géologique de la Terre où la température a augmenté de façon beaucoup plus significative qu'en ce moment. On parle de 10-12 degrés. Et juste la période médiévale, on a eu une augmentation de 3 degrés à peu près, et plus 4 degrés au-dessus de la normale. Donc, en ce moment, ce qu'on a vécu, c'est pas le plus chaud. Ça, c'est un mensonge. Mais, vous voyez, les scientifiques, les vrais scientifiques le savent, ce qui nous attend. Et le CO2, c'est pas lui qui est venu augmenter la température de la Terre. Ça aussi, les scientifiques le savent, parce que c'est tout écrit, puis on a tout compris ça, dans les carottes de glace qu'on est allé retirer pour étudier ce livre de l'histoire du climat de la Terre qui se retrouve dans la glace. Et le CO2, oui, a toujours été là, et est apparu dans l'histoire aussi en des niveaux plus élevés à certaines périodes. Mais ce n'était pas le CO2 qui venait faire augmenter la température. C'est la température qui augmentait, puis le CO2, lui, suivait de loin, de beaucoup, des fois de 200-300 ans, avant d'arriver à un niveau élevé. La température, avant d'arriver au niveau de la température, ça prenait 200-300 ans au CO2 pour arriver là. Et dès que le CO2 arrivait là, qu'est-ce qu'on voit? Paf! Une chute des températures, tout de suite. Tout de suite. Les scientifiques le savent, ce qui nous attend. On n'a pas besoin de la géo-ingénierie puis des techniques d'épandage de particules, de cendres ou de craie pour refléter vers l'extérieur de la Terre les rayons du soleil pour refroidir la Terre. Les scientifiques le savent très bien dans quel modèle on est, puis vers lequel on s'en va. Puis nous autres, on le sait, on en a parlé depuis des années, puis on le voit vers quoi on s'en va. Là, on va vivre pente le plus froid depuis 100 ans. Donc, ces niveaux de CO2-là, quand ils ont commencé à augmenter, puis qu'on a noté ça dans les sédiments de ces carottes de glace de kilomètres de longueur qu'on extrait, tout de suite après un certain niveau de CO2 atteint, paf! La température chute de beaucoup. On a, avec l'industrialisation, produit beaucoup de CO2. En plus de celui qui se produit naturellement, parce qu'il se produit beaucoup de CO2 naturellement. On peut imaginer maintenant, puis les scientifiques le savent ça aussi, vers quel modèle on s'en va si dans le passé, quand le CO2 arrivait à un certain niveau, pouf, les températures chutaient. On peut imaginer que la même production de CO2 naturel est à peu près au même niveau. Plus nous autres, on est venus en rajouter une bonne couche. On peut s'imaginer
quelle sera la chute des températures qui vont suivre et la durée que ça aura. Les scientifiques le savent, ça. En plus, on a les fameuses, hein? Projections de Milankovitch, qui de plus en plus de scientifiques le savent, ça aussi. C'est relié au climat qu'on vit sur la Terre. L'orbite de la Terre, l'inclinaison de la Terre, l'oblicité de la Terre. Et que quand tu as deux de ces trois paramètres-là qui s'unissent ensemble, qui sont conjoints au même moment, ça aussi, la température change. Elle va aller vers le haut ou vers le bas. Dans son orbite autour de la Terre et son inclinaison, il y a des fois où on est plus loin. Ça aussi, ça va jouer. Et les Esquimaux qui sont dans l'Arctique, qui vivent là depuis des milliers d'années, et qui ont que ça à faire, observer le ciel, parce que leur mode de vie est vraiment encore très rudimentaire et primitif, donc ils ont beaucoup de temps pour observer la nature. On rapportait ça aux scientifiques aussi il y a quelques années. Hey, messieurs les scientifiques, mesdames les scientifiques, le ciel n'est plus pareil. Le soleil n'est plus au même endroit, les étoiles ne sont plus au même endroit. Il y a quelque chose qui a changé, parce que tout est en mouvement. Et c'est jamais au même endroit, dans le même angle, dans le même... Je ne suis pas un scientifique, mais c'est le résumé de ce que je vous fais, de ce que j'ai compris, puis je le résume à ma façon. Les scientifiques le savent, ce qui s'en vient. Mais on ne veut pas vous le dire. Les gouvernements ne veulent pas vous le dire parce qu'eux, ils ont un autre plan pour nous autres, c'est celui de toujours nous dominer, nous contrôler. Et de contrôler plus nos vies. Et d'avoir plus d'intrusion dans nos vies. Et on le voit avec la crise actuelle, on a de plus en plus d'intrusions dans nos vies, puis ces intrusions-là vont rester et vont augmenter. Je vous l'ai bien expliqué. Et on a un projet, et c'est celui de transformer nos modes de vie parce qu'on veut le faire, parce qu'on a un nouveau plan, on a du nouveau monde à promouvoir, on a des nouvelles entités économiques à promouvoir. Ça ne vient pas vous libérer que vous aurez un compteur, que vous aurez toutes les mêmes dépenses, puis que ça va vous coûter encore plus cher. On ne vient pas libérer l'humain d'une disparition puis d'un esclavage, là. Non. Quand on t'amène l'auto électrique, ben, tu vas être plugué sur ton compteur électrique puis tu vas continuer à enrichir des entités. On ne vient pas te donner l'énergie libre, là. Puis la voiture va coûter cher puis le système coûte cher. Puis tes maisons, tu devras aussi, on viendra t'imposer des rénovations. Puis c'est plein de choses. C'est un nouveau plan qu'on vous impose via la fausse science. Et c'est important de revenir à la vraie science, parce que les vrais scientifiques, ils savent exactement ce qui s'en vient. Puis les changements climatiques, ils sont vraiment véridiques. Ça, c'est pas une fumisterie. Puis ils ont des conséquences incroyables sur l'agriculture. Ce qui va se passer, ça va être, j'en ai parlé depuis longtemps, incroyable. Le système qu'on est en train de vous établir social, incroyable. Ça va vous transformer, mais ça ne vous empêche pas de continuer à prospérer, à être heureux et à vous épanouir. Il y a toujours eu un système, puis il a toujours été atroce. Si tu lis l'ensemble de la littérature sur chaque système qui a été transformé au fil de notre histoire des deux dernières 2000 années, c'est toujours atroce pour la population. C'est jamais le paradis, c'est jamais Byzance, mais on est encore là. Puis il y a moyen, si tu veux, puis si tu contrôles ta vie, ta conscience, et tu prends le contrôle de ton subconscient qui vient gérer ta vie, parce qu'on a programmé ton subconscient et que ta conscience doit reprendre le contrôle de ton subconscient, tu pourras être heureux malgré tous les systèmes dans lesquels tu évolueras. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe sans en faire une obsession puis un drame, puis la vie s'arrête là. Non! Il faut que tu sois conscient que tu es là, tu vas continuer à prospérer, puis que dans 100 ans, il y aura un autre système, puis les gens qui vivront ce système-là se plaindront de ce système-là. Ceux qui ont envie de se plaindre. Mais ceux qui ont envie de prospérer, prospéreront. Ceux qui ont envie de prendre leur vie en contrôle et réussir, réussiront. Comme ça s'est passé avant, puis ça se passera après. Donc, au Québec, on se prépare, nous autres aussi. C'est le calme avant la tempête. Merci à Réjeanne qui m'a envoyé ça, une compatriote québécoise. Samedi 11 avril 2020, le long week-end de Pâques se terminera comme il a commencé, c'est-à-dire sous les nuages. Un important système balayera le Québec lundi, déversant de bonnes quantités de pluie sur son passage. Il y a eu du froid, il y a eu de la neige. Maintenant que la tempête de jeudi et vendredi quitte la province, on prévoit 72 heures d'accalmie
Pour l'ensemble du territoire, le mercure, lui, effectuera une remontée pour atteindre la quinzaine de degrés au sud lundi. Donc lundi, on sortira de cette Pâque froide. Ensuite, c'est la rencontre de deux systèmes, l'un en provenance de l'Ouest canadien et l'autre du sud des États-Unis, qui ramènera les nuages dans le ciel du Québec dimanche soir. Cette dépression poursuivra sa progression vers le nord-est jusqu'à mardi et sera accompagnée de forts vents qui commenceront à souffler dans la nuit de dimanche à lundi. Les rafales attendues lundi pourraient, quant à elles, dépasser les 90 km/h. Celles-ci pourraient entraîner des pannes de courant. Ce système entraînera avec lui du temps beaucoup plus doux et des températures de plus de 15 degrés seront possibles dans le sud de la province lundi. Des maximums de 10 degrés Celsius pourraient également être atteints du côté du Nouveau-Brunswick, alors que la Gaspésie aura plutôt droit à un mercure autour de 5 degrés avant cette poussée de douceur. Il faudra composer avec des températures relativement plus fraîches aujourd'hui, samedi. Ce redoux sera de courte durée. Derrière le système, les températures chuteront sous les normales de saison. Sur les secteurs plus au sud, on perdra plus de 10 degrés au thermomètre. Plusieurs secteurs connaîtront des nuits sous le point de congélation. La majorité des secteurs connaîtront des précipitations sous forme de pluie avec l'arrivée de la douceur dimanche. Une trentaine de millimètres de pluie pourrait tomber. Ceci n'est pas un bon signe pour les rivières qui seront à surveiller les grandes quantités de pluie et la douceur feront fondre la neige reçue vendredi et jeudi et vendredi. Associé aux températures à la hausse, les précipitations liquides provoqueront un ruissellement de plus de 50 mm sur les secteurs au nord du fleuve. Les risques d'inondation, naturellement, sont bien réels quant aux États-Unis, qui sont à peu près sur le même. Mais nous, on est à peu près sur le même modèle. Eh bien, une importante tempête de neige printanière frappe le Maine et coupe l'alimentation de plus de 253. Déjà, c'est fait, eux autres, aujourd'hui. 253 000 clients aux États-Unis. Une puissante tempête de neige printanière a frappé le Maine aux États-Unis le jeudi soir 9 avril 2020, causant des centaines d'accidents. Patati et patata, je vous laisserai ça. Et c'est la Pâque la plus froide. On peut voir des images ici. 13 pouces de neige. Dans le Maine, donc c'est un État voisin à nous du Québec. Pendant ce temps, la police d'État a déclaré des centaines d'accidents, naturellement de la route, s'étaient produits pendant la tempête. Donc on assiste à des chutes de neige vraiment records et on a des gens qui sont en train de travailler à rétablir le courant. Donc ça amène, ça nous rappelle que c'est pas la fin de l'hiver encore. Et que vous allez avoir des baisses de température vendredi, samedi. 20 degrés en dessous des normes, jusqu'à 30 degrés en dessous des normales. Ce qui en fait le week-end de Pâques le plus froid depuis une centaine d'années. Donc les changements climatiques sont là, ils sont bien réels. Mais pas pour les causes qu'on vous explique. Et ça, les scientifiques, c'est important de se le rappeler, le savent. Je vous souhaite une bonne fin de samedi de Pâques, mais je n'ai pas fini avec vous autres. J'en ai plein d'autres nouvelles. Puis j'ai retrouvé mon fameux site où on parle de toutes ces grandes constructions du passé qui sont bien plus lourdes, qui sont datées bien plus loin que ce qu'on veut nous faire croire dans nos livres d'histoire qu'on ne veut pas réécrire, je ne sais pas pourquoi, et qui prouve, ce mec-là est incroyable, je vous expliquerai sa vidéo, puis je vous laisserai le lien après ça dans l'autre vidéo, que les Égyptiens ont trouvé ces pyramides-là, les ont adoptées, se les ont appropriées, mais ce n'est pas eux autres qui ont construit ça. Ça a été construit bien avant, avec de la machinerie en plus. Et le gars, il explique tout ça, il est vraiment très fort. Donc, je vous reviens avec ça, puis plein d'autres choses, parce que je veux vous partager plein d'autres choses. Restez là.